nous-mêmes en qualité de responsable de structure de droits humains, sans nous qu'à dire, nous estimer que si le premier citoyen de la nation ne peut être en sécurité, que dire des autres citoyens? Au cas comprendre, Jovenel Moïse, qui t'a supposé premier monde qui a sécurisé, qui est presque 20 à 30 monde qui a bas sécurité, maintenant pour que des mercenaires, des bandits, des malhonnêtes, des vagabonds, des vulgaires petits vagabonds entrent la cale et la tuile. Bon, seul monde nous a posé question dans la responsabilité de ce qui passé là. Et directeur général de la police, là, côté le TI, est-ce que en tant que directeur général de la police, il n'est pas supposé dernier monde qui a un contrôle constant sous parage la cale président? Et vous comprenez que pas un service de renseignement qui fait qu'on est que mercenaire là. Ou bien ministre de l'Intérieur qui l'a pour assurer la sécurité intérieure de l'État. Elle dit, est-ce que vraiment nous avons un poste? Est-ce qu'il n'y a pas assuré la sécurité de l'État vraiment? Maintenant, pour un président victime de l'État, ça, ou bien ministre de Justice et de la Sécurité publique. Qui est-ce? Maintenant, il faut comprendre que la mort de Jovenel Moïse ne fait qu'aggraver la situation politique du pays. Comprenez bien, oui? Président Jovenel Moïse tombé sans montrer que pas bon monde en sécurité. Nous clair là-dessus. Timalere, qui quoi pour sale, belle, grand, ville, fort, tout bon. Pas de sécurité parce que vous voulez tout. Si même Jovenel Moïse vient 21 policiers avec le sécurité, allez voir pour vous-même. Alors il faut comprendre que l'évolution de l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, ça pose problème. Moi, je suis le premier avocat pas d'accord avec l'enquête à dérouler là, parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. Je ne suis pas un enquêteur, mais je suis un avocat. Maintenant, je pose ma question, pour qu'il y ait concurrence entre le premier ministre et les autorités judiciaires pour un dossier aussi important, aussi sensible. Comprenez bien, oui. Premier ministre n'est pas en autorité judiciaire. Le premier, son autorité politique. Comprenez bien. Il n'est pas un commissaire du gouvernement. Le premier ministre n'est pas un OPJ. Le premier ministre ne pourrait être un auxiliaire de la justice. Alors, il y a un gros problème. L'homme temps des premiers ministres qui prend le soin pour avoir un point de presse sur l'évolution. Non! Il ne revient pas au premier ministre de donner des informations sur l'évolution. Non! Côté commissaire gouvernement, côté DCPJ, côté toute police scientifique là. Donc, le premier ministre aurait dû réagir après que le commissaire eût réagi. Pas bien que le commissaire du gouvernement est le chef de la poursuite. C'est le maître de l'action pénale, de l'action publique. Vous savez, c'est premier monde, c'est premier acteur dans le cadre assassinat ça. Moi, je pense que les rôles sont inversés. Vous savez, non? Au lieu c'est pour le commissaire gouvernement qui travaille, qui dit maintenant qui niveau, mais ça a fait un dossier, ou c'est pour le ministre marché précis. Moi, je pense que l'opinion nationale là, à suivre nous très bien avec le dossier ça. Il faut que vous définissiez des stratégies, toujours les dire, pour que l'enquête là aboutisse et pour éviter que nous partons en amalgame pour que l'enquête n'a pas atteint l'objectif. Donc, moi, je dis que commissaire gouvernement a des possibilités pour demander experts, demander conseils pour permettre que un travail technique qu'a fait pour joindre le monde qui est derrière l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse. Et n'a dit ça fait là son signal fort yo voye ba peuple haïtien. Yo dit peuple haïtien autorité claire ou pas capable de sécurité. Il faut comprendre que chaque monde qui vivant dans pays ça a droit à la sécurité. Et nous exhortons les autorités concernées à faire de leur mieux pour donner sécurité à la population haïtienne. Et à faire pour mercenaires à rentrer, pour ministère de l'Intérieur, à faire pour bandits à rentrer, quand ils vont tuer les gens, tout le monde va. Donc nous demandons aux autorités, chaque percevoir chaque mois, privilège chaque mois, que vous prenez responsabilité, faites job là, si vous n'avez pas fait job là, que vous démissionnez. Maintenant, Rémi, est-ce qu'on considère le président comme un assassinat ou un coup d'État? Bon, moi personnellement, le mot coup d'État, je ne le dirai pas parce que nous avons des grands qui ont parlé de coup d'État. Mais sauf que, cette fête-là, c'est une situation extraordinaire. C'est la première fois
société haïtienne en tombe dans une crise que la loi va prévoir. Mais je considère comme un assassinat crapuleux qui fait par des gens qui ont dit des auteurs matériels qui étaient dans la tête des auteurs intellectuels. Maintenant que l'État, que l'autorité judiciaire dégage de CPJ, joint les gens qui derrière crime ça. Pourquoi ça ne pas dit coup d'État? Pourquoi ça nous ont vide? Bah, on ne pas dire vide, non, on dit à l'heure là. On imbroglio constitutionnel et politique. Imbroglio, son labyrinthe, son problème. Ça passe. PM Claude démissionnaire. Comprenez bien, monsieur. Ariel Henry nommé. Et vu le principe du parallélisme des formes, sont arrêtés pour entrer dans l'autre arrêté. Eh bien, arrêté que tu es nommé Ariel Henry, il révoque tacitement Claude Joseph. Comprenez bien, c'est du droit. Elle dit automatiquement que je n'ai défini nommé Ariel, Claude tombe. Il n'y a pas sorti là-dessus. Mais il y a un autre problème. Ariel n'a pas été installé. Et comme dirait le défunt professeur Dorval, c'est l'installation qui rend effective la nomination. Elle dit le fait que Ariel n'a pas été installé, Ariel ne peut pas former son cabinet ministériel. Et la loi n'a pas prévoit ça. Qui ça pour faire? Mais non, ça qui dit, l'arrêté d'Ariel Henry tient toujours. Parce que un arrêté est un acte administratif. Seule une décision de la Cour supérieure des comptes pourrait annuler l'arrêté d'Ariel Henry et qui va permettre que Claude Joseph rete toujours. Nous vivons une situation de vide et Claude Joseph démissionné parce qu'Ariel Henry nommé. Ariel Henry nommé, il n'y a pas installé. Maintenant, rentre en scène le président du Sénat, M. Lambert. Eh bien, comme avocat qui s'en dit, est-ce qu'il y a une résolution qui est au-dessus de la Constitution? Est-ce qu'on résolution du Sénat qu'a au-dessus de la charte fondamentale? L'on regarde dans l'article 149 là, Alvarez, Fabien. Il va parler de président Sénat, non? Il parle de conseil des ministres. Et Claude Joseph n'a pas prévaloir que ses ministres parce que Claude Joseph a été révoqué. Elle dit Claude Joseph ne peut utiliser l'article 149 là du tout. Vous savez, non? Elle dit que le législateur n'a pas prévoir ce genre de situation. Mais pour pallier à cette solution, son entente nationale, j'aime d'abord dire tout à l'heure là, son conférence nationale sans hypocrisie. Parce que grand pile secteur qui a réuni là, qu'on a félicité, au société civile là, il a réuni, mais attention, il y a hypocrisie dans l'autre. Parce que on est qui dit moi-même proposer X monde, proposer Y, proposer Z. Mais nous-mêmes, on est dans le cadre avec Cochor, parce que son structure qui me fait partie, ma avocat, monsieur. Monsieur propose un conseil national de gouvernement à 9 mondes. Maintenant, Conseil national de gouvernement, c'est-à-dire, c'est lui qui va choisir Premier ministre et ministre. Vous comprenez bien, oui? Parce que, écoutez, même l'entente des accords à fait, ou bien quelle que soit la résolution qu'a faite là, c'est vrai, l'initiative est bonne, très bonne. Mais il y aura toujours un conflit, celui de choisir le ministre et le Premier ministre et le président. Parce que tout le monde parle en vie, c'est yo. Nous, nos situations là, côté que, situation grave. Et peuple en grand goût, peuple en misère, en insécurité. Maintenant, il faudra faire ce qu'on appelle un dépassement de soi. Il faudra se transcender pour mettre l'intérêt commun d'abord. Dans le moment où il est là, puisqu'il y a un vide juridique, il y a un vide constitutionnel, on ne peut pas faire appel à la loi pour résoudre cette situation. Maintenant, il revient à tous les secteurs de la société de se mettre ensemble pour réfléchir sur une sortie de crise honorable. Mais des boutons de ces mon cap bail crise, mon cap dit mon cap pose solution, mon cap dit ah tel bail fait tel gens c'est solution même qui bon. Donc nous fait carré dans prison une bonne garantie qui est capable payer, c'est mon mentissant. Mon Delma 2 mon grand mon fondamental pas jambe ca circuler. Et nous même n'a toujours dit Ernel Rémy avocat défenseur droit monde a toujours campé en face de celui de monde qui pas prioriser l'intérêt du peuple d'abord. Okay, question pendant le gain de volet, Madame Mouni. Est-ce que institutionnellement, l'article 149 que Claude Joseph évoqué a, qui a limité le gagné dans le processus de négociation ça? Et deuxièmement, tout, est-ce que la Cour supérieure des comptes, les mêmes dilemmes qu'on a là entre ces deux premiers ministres là? Bon, très bien. Et bon principe, il y aurait le principe du parallélisme des formes. Le principe parallèle des formes, non? C'est le principe qui dit que sont arrêtés qui vont annuler l'autre arrêté.
Attendez bien, oui. Ou après, Claude Joseph te font tweet. Je remercie le président de m'avoir choisi parce que il connaît automatiquement que Ariel Noumé est tombé. C'est le droit. C'est du droit administratif, flash, droit constitutionnel. Maintenant, Kounia là, si on tombe, bah, écoutez, comment ça fait Claude Joseph vient pas un qualité de légitimité? C'est parce que l'arrêté nommant Ariel Henry est toujours debout. Elle dit pas bon instant si Vincent qui a annulé l'arrêté. Arrêtez qui nomme Ariel Henry, il est toujours là. Mais la seule façon de permettre que Claude Joseph campe, c'est attaquer arrêté hein, devant Couspère des comptes. Mais dans Couspère des comptes, c'est seul lui qui a habilité pour annuler l'arrêté parce que arrêté son acte administratif. Vincent. Ouais. C'est pas un acte politique, c'est un acte administratif. Maintenant, si la Cour supérieure des comptes rend une décision annulant l'arrêté d'Ariel, Claude Joseph il va peut-être retourner. Et même s'il va retourner, qui est-ce qui va l'installer encore? Jovenel Moïse. Nous avons une situation vraiment ambiguë. Nous avons une situation côté que même la loi ne prévoit pas comment sortir. Eh bien, n'a pas appliqué le principe. Il faut partir de l'irrégulier Vincent pour venir au régulier. Mais c'est dans ce sens-là dit. Faut que tout le monde chita ensemble et faut l'honnête, oui. Parce que tout n'est pas chita là. On est grand fin qui parle de pouvoir là. Il n'y a pas le pété. Depuis un monde où pas mettre intérêt au peuple là d'abord, on ne peut pas jamais camper dans le parce que peuple mentissant, peuple fondamental, bon, je prends là, tout à l'heure là, bon machine qui a sur le bon monde là. Il a détourné la machine là. Il a pris 7 mounes, il a tiré le monde là-dedans, il y a la bus là. Est-ce que le peuple a continué à vivre dans un climat de sécurité? Parce que faut acteurs au chita ensemble pour lui dire bon, il y a lieu de poser le problème de ce pays et permettre à la population haïtienne de vivre dans de meilleures conditions. Ou pas quoi que les blancs qui viennent imposer nous une solution, pas quoi ça. Tout le monde a demandé des pages, il n'y a pas vraiment une solution. Après le départ journal là. Bon, moi une bonne question de bon interrogation de faire un peu honnête. Et le blanc, il suit la politique intérieure de ce pays. Blanc envoie une délégation, blanc dit l'exhorter, bon même saisi Anthony Blinken même mandé élection pendant que etc. Il y a des gens qui pas d'après élection. Attention. Si ou en a fait si consensus ça conférence nationale ça internationale ça de pour en pas cacher ta émission blanc imposer ta vie pour qui ça me dit sincérité parce que si blanc estime que c'est coquin a joué il va prendre les choses en main. Vous comprenez bien depuis blanc ou est-ce monter descendre la lito il va décider il va vous imposer quelqu'un c'est la meilleure possibilité c'est le meilleur moment pour nous de montrer au monde entier que nous pouvons nous entendre. Moi, je suis pour une solution à, comme si, côté que, qui mettait tout secteur en face. Je ne suis pas capable de prendre telle décision, et puis pour me donner dans la radio, on a dénoncé non. Et il faut que nous prenions des décisions, il faut penser à peuple haïtien parce que la situation est difficile. Nous n'avons pas vivre bien, insécurité, grand gros misère, problème, justice pas fonctionner. Bon, moi-même, comme avocat, je me demande qu'il me fasse un dossier, c'est que je ne suis pas capable. Je ne peux pas fonctionner, je perds des dossiers parce que il y a un climat d'insécurité qui me dérange totalement et qui dérange des prisonniers politiques. Abelson Gouneg, bon, Gabi Jeffroy la Boudjab qui mourit là, SPNH, bon, jusqu'à présent, il y a un cadavre là parce que le parquet aurait commis une erreur. Donc, il faut comprendre que la solution, c'est dans mes peuples haïtiens. Tout acteur supposé réunis ensemble, sans hypocrisie. Sans hypocrisie, personne ne peut se prévaloir de la paternité de cette crise. Personne. Pas un monde qui a dit que la paternité, etc. Et puis, on a avancé. Non. Donc, tout le monde se pourrait chiter ensemble pour nous résoudre ce problème. Je veux dire, nous constatons qu'il y a un oui vidé là. Parce que, Ticlone en bas, Joseph Lambert en bas. Qui ça coûte à faire? Et si on ne peut pas chiter ensemble, nous pouvons mettre tête ensemble. Qui sont-ils qui ont fait pour permettre que nous venions entendre, soit qui pourrait nommer Joseph Lambert. Et puis pour payer la marche normale. Très bien. Et qui ça peut à faire? En politique, on ne peut pas contraindre quelqu'un à s'asseoir sur une table de négociation. Tout n'est qui dit à défendre le peuple, hein? Tout n'est qui dit à intérêt le peuple, hein? Seule solution, c'est une prise de conscience. Vous comprenez bien? C'est une prise de conscience. Depuis mon pensez que mon matissant, c'est chien qui a mangé au jour, faut que vous avez une nécessité pour résoudre ça. Parce qu'à chaque fois que la crise a perduré, c'est nous qui avons mouru. À chaque fois qu'on a une instabilité politique, c'est kidnapping, c'est banditisme, etc. À chaque fois que la crise a perduré, c'est moi-même qui n'ai pas le tribunal. C'est vous-même, sous mon parent, qui n'ai pas le juger.
À chaque fois que la crise a perduré, c'est Abelson Bounet qui est en prison sensi qui a vivre dedans. À chaque fois que la crise a perduré, c'est moun kan dan prison qui va avoir une chance le arrêter pour la juger le papage. Solution, message là, à tout acteur, tout le monde qui a gardé, c'est une prise de conscience générale. Vous avez dit, tout le monde net, moi, m'insister sous sans hypocrisie et mensonge. Vous avez dit, la politique est un jeu de coquin. Tout le monde va laisser, ouais, si après intérêt par eux, mettez ta bras les bras sous par eux. Moi-même, moi, dit comme avocat, l'important pour mettre intérêt peuple là d'abord. Ouais, on a parlé de l'intérêt supérieur général de l'enfant, mais on a parlé de l'intérêt supérieur général du peuple haïtien. Pour nous sortir dans ce niveau-là, que le président Sénat, que la société civile, que le secteur paysan, le secteur vaudou, le secteur douamoun, tout chita ensemble pour nous poser problème paysan, pour combattre l'insécurité, restaurer l'état de droit, renforcer les institutions, renforcer la police et procès qui sont supposé effectuer. Petro-Caribé, tout le monde qui t'a dilapidé pour agir correctement. Nous pas dans l'impunité, nous pas dans le monde qui a cautionné l'impunité, nous pas dans le monde qui a favorisé la délinquance administrative, mais c'est la justice qui pour régner et pour permettre que le peuple a la souffre. Merci.